Elle attend quoi au bout du chemin? Le facteur est passé ce matin, le laitier est régulier dans sa tournée, le boulanger, c'est deux fois la semaine. Elle veut pas le dire. Ça regarde personne. Et ce que les autres disent, ce qu'ils n'attendent pas, ces vaches sont gentilles, la vigne est bien coiffée, la mare est calme, mais ce n'est pas ça sa vie. Il manque quelqu'un au bout de la table pour se taire ensemble. Alors là, on prend ça un peu dans l'estomac. Hein. Mais Dumortier, qui a une grâce infinie, quand il trouve que c'est trop lourd, derrière, il allège. Elle a vu des rockers à la télé secouer leurs cheveux et crier dans un micro. C'est pas comme autrefois. Mais elle est capable d'en faire autant. Si quelqu'un la connaît, il n'a qu'à venir la chercher en voiture. Au poste, ils ont annoncé une tempête pour cette nuit. Elle a rentré son linge, fermé les volets et elle a laissé la tempête prendre sa part. Demain, elle rangera tout, elle ne fera pas d'histoire, du moment que tout le monde a mangé et que ce n'est pas tous les jours. C'est beau ça, hein ? Je vais vous le relire. J'entends qu'il y a une demande de bis. Je ne peux pas y résister. Non, je trouve que c'est un bon exemple de ce que la poésie peut en quelque... Vous voyez, ce que je vous ai lu, c'est ça, hein, il y a 10 lignes. Hein. Et on la voit, ça y est, on l'imagine, on voit le regard qu'elle a sur le monde. Donc vous avez droit à une deuxième fois. Au poste, ils ont annoncé une tempête pour cette nuit. Elle a rentré son linge, fermé les volets, et elle a laissé la tempête prendre sa part. Demain, elle rangera tout, elle ne fera pas d'histoire, du moment que tout le monde a mangé et que ce n'est pas tous les jours. Le marchand de vaches est passé. Il n'a pas donné grand-chose à son veau. On peut dire qu'il l'a bien eu en rabâchant que ça ne marche plus, le commerce de bestiaux. C'est pas grave. La prochaine fois, elle ne fera pas affaire avec lui. Il n'y a pas que lui comme voleur. Elle a tué le cochon, fait ses rillettes, et elle a donné un morceau de boudin à ses voisins. C'est pas perdu de donner. Quand ils tueront à leur tour, elle compte bien sur un bout d'eux. Il les connaît bien, hein ? Et des camarades paysans. On a acheté des pommes de terre. Elle les vend 50 centimes le kilo. Elle ne sait pas traiter ses affaires. On papote un peu, elle relance la conversation quand on monte dans la voiture. On a du mal à partir avec elle. Elle nous fait signe longtemps de la main pour dire au revoir. Au loin, on a déjà germé dans l'obscurité qu'elle ne connaît pas. Et puis je vais finir ce petit parcours dans ce travail de David Dumortier par un texte malicieux. Il est souvent très malicieux, Dumortier. Elle s'est levée sur la pointe des pieds pour attraper la boîte à gâteaux. Le drôle du voisin a profité de l'occasion pour se mettre à quatre pattes et regarder sa petite culotte. Le curieux, ni une ni deux, elle lui a aussitôt flanqué une tape sur la joue. Mais pourquoi cherche-t-il à voir celle-là alors qu'une dizaine de propres sèchent sur le fil à linge ? Thank you.
Je sais qu'il suffit de dire « allez à l'essentiel » pour qu'on se perde dans les détails.